Bonjour Caroline Berthou, je suis thérapeute quantique et médium. Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui de bon matin pour vous présenter une formation de magnétisme quantique que je vais présenter, que je vais proposer à partir de fin juin. Donc il y a 5 sessions encore pour cette année 2020. Donc la première session, elle sera du 29 juin au 3 juillet. Donc il reste une place sûre et il y a 2 autres personnes qui n'ont pas encore confirmé. Donc voilà, là, il y a encore des places qui sont ouvertes. Donc j'habite en Ardèche. Elle se fait en Ardèche à à peu près 3 quarts d'heure de Valence, une demi-heure de Tain, Tournon, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave parce que l'Ardèche c'est super sympa et ici c'est très vert, c'est très nature et je vous invite à venir, c'est super. En plus l'été, voilà, il y a les campings aux alentours, il y a de quoi se promener, de quoi se détendre, voilà, il y a une partie aussi un peu vacances qui peut être sympa pour vous. Donc voilà, on prend les repas sur place le midi, donc c'est compris dans le prix de la formation, hein. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine? Alors on va découvrir comment on accueille un patient, quelles questions il faut lui poser. On va aussi découvrir un petit peu la radiesthésie pour prendre les taux de fonctionnement des différents corps qui nous composent. On va prendre aussi les taux vibratoires. On va les prendre sur des objets, on va les prendre sur des personnes. Avec leur consentement, bien entendu. et voilà, on va travailler sur les chakras, on va voir à quoi chaque chakra correspond et ce qui fait qu'ils peuvent être défaillants ou pas, suivant les symptômes et les pathologies que le client présente. Voilà, on va apprendre à protéger les lieux, se protéger soi-même, protéger aussi le patient énergétiquement. On va travailler sur l'équilibre yin-yang, donc sur les différents corps énergétiques, sur la radiovitalité, sur les recherches de pollution. Les recherches de pollution peuvent être soit électromagnétiques, soit dues à des failles, voilà, si c'est pour des lieux, ça peut être dû à des failles géobiologiques, hein, ça peut être dû à du paranormal ou des entités, ça peut être dû à pas mal de choses, et ça on fait les recherches et je vous guide pour que vous puissiez trouver les sources de dysfonctionnement. Donc ça peut être soit sur une personne, soit sur un lieu, hein. Voilà, on va faire quelques méditations dans la semaine pour pouvoir se centrer, pour savoir se centrer. Il y aura une méditation aussi qui aidera à faire ouvrir le troisième œil, hein. Alors il y aura certaines personnes qui l'auront déjà ouvert et on aidera les autres du coup à s'ouvrir à leur intuition et voilà, c'est vraiment des chouettes moments de partage, en tout cas ces formations, parce qu'on rencontre souvent des personnes qui nous font travailler sur certaines choses, et c'est vraiment un échange, et voilà, souvent on garde contact après, et voilà, on n'hésite pas à se tester les uns sur les autres, à faire des soins les uns sur les autres, pour qu'on puisse justement évoluer. Donc dans la semaine, on travaille aussi sur la problématique de la sciatique et des lombaires, hein, pour ceux qui ont beaucoup de mal de dos. Donc on s'exerce les uns sur les autres, évidemment. Et voilà, on travaille avec de l'acupuncture énergétique, donc voilà, sans aiguille réelle comme on fait en médecine chinoise. Et on aborde aussi l'encodage de Grégory Grabovoi, pour ceux à qui ça parle. Donc en fait, chaque pathologie a un code numérique, en fait, et énergétiquement, du coup, on travaille dessus et on l'incorpore énergétiquement dans le corps du patient, suivant les pathologies qu'il a développées. Donc souvent, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, quand on a des pathologies physiques, ça vient forcément de traumatismes, alors soit de l'enfance ou soit de la vie de tous les jours, hein, peu importe, parce que les schémas se répètent. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu révolutionnaire, même si ça fait quelques temps que ça existe. Voilà, le travail sur l'énergétique, c'est l'avenir de demain.
Et c'est pour ça qu'on me demande de former aussi le maximum de personnes, parce que chacun a sa place, comme je le répète souvent dans les vidéos, mais chacun a sa place en tant que thérapeute. On est tous là pour aider les gens qui nous entourent. Et voilà, que dire de plus, du coup bah écoutez, de toute façon, j'ai développé au maximum sur mon site internet la semaine de formation, ce qu'on va faire. N'hésitez pas à me contacter par téléphone si vous avez des questionnements. C'est beaucoup plus simple pour moi que de répondre tout le temps par mail. Et voilà, du coup, bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous et que si vous avez envie de me contacter, contactez-moi et je vais laisser mes coordonnées sous la vidéo. Donc je vais laisser les coordonnées téléphoniques et de mon site internet. Voilà, je vous invite vraiment à m'appeler rapidement si ça résonne en vous et si vous avez envie de faire cette formation. Voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous, profitez du soleil et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-là, je serai avec mon amie Céline. À plus tard!